Tout autour du monde, on trouve des instruments à cordes pincées comme la mandoline, le banjo, l'ukulélé ou le charango. Mais il y en a beaucoup d'autres. La mandoline vient d'Italie et a un son très aigu. Ses cordes sont doublées pour que le son soit plus fort. Le banjo a été créé par les esclaves noirs aux États-Unis à partir d'instruments africains. Une peau tendue sous les cordes donne un son sec et métallique. L'ukulélé est une adaptation de la guitare portugaise par les habitants de l'île d'Hawaï dans l'océan Pacifique. Grâce à ses cordes en nylon, sa sonorité est plus douce. Le charango est un instrument traditionnel des pays andins en Amérique du Sud. À l'origine, sa caisse de résonance était faite d'une carapace de tatou. Maintenant, on les laisse tranquilles. C'est pas pareil. Merci Fernando. Merci Farid.